arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a que le petit point, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présente sur deck. Avant que la vidéo commence les gars, vraiment important, n'hésitez pas à vous abonner, à jeter votre meilleur pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir, et merci à tous ceux qui le feront. Aujourd'hui, présente sur deck, Giro Electro, à l'ancienne un peu. J'ai un petit peu remix pour pouvoir l'avoir quand on n'a pas trop fait, donc notamment j'ai un pote. Il a commencé à arène 11, il me semble, ou 10. Avec ce deck, donc on va sortir tuto dessus. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti pour la première game. Contre monsieur, voilà. Je ne pourrais pas prononcer le nom. Ok, bon là on a une main pas ouf. Du coup, bon, on va cycler le prince. Hop. J'ai pas les cartes que j'allais cycler. Normalement, j'aime bien cycler le bomber, la cage. Ouais. Ok, on la fout direct. On va peut-être dû attendre un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ok, à prendre le coup. Ok, bien joué de sa part. On a la cage, nous, de toute façon. Donc, c'est pas dramatique. Ok, il prend déjà très très cher pour le début. Ok, on a la cage ici. On la met bien ici pour que le cava il dash pas. Sinon, il va dash la tour. Il aura le temps pour dash. Il met pas de coup. Donc, là, c'est parfait. C'est bon placement. Voilà, on a déjà gagné la game sur ça. Je vous l'annonce. Mais normalement, c'est pas un match facile. On peut, c'est facile à perdre. Ok, on a le D2. Il a un D-Wiz, donc faut faire gaffe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça là. Ok, on va aller mettre le bombard ici. Ok, bon, il a un D2, ça c'est. Je sais pas si c'est plus simple à gérer ou pas. Ok, on va juste aller activer cette tour du roi, je pense. Non, je vais pas pouvoir. On va faire comme ça, regardez. Hop. Sinon, il va nous prendre la tour. Bon, quand même, je crois qu'on pense nous prendre la tour. Bon, il va nous prendre la tour. Bon, j'ai fait de la merde. Du coup, on n'a pas du tout win la game. Le retournement de situation, le karma, ça s'appelle dans le milieu. On sait qu'il y a une faune. Bon, il a reine. Bon, la reine, c'est facile parce que j'ai la faune. Ce qui va être le plus chiant, ça va être. Ah, moi, ça va. Non, en fait, ça, j'ai un bon matchup. Ok, le bébé dragon ici. Hop. Éviter de perdre la tour, ça serait con. Ok, la reine, on la fout direct encore une fois. Ok, main Kaba, bon encore une fois, ils attendent une défense que tout à l'heure. On met la cage devant la tour. La met surtout pas ici, parce que sinon si vous la mettez ici, le Kaba il va arriver, là il va détruire, et il va ralentir le gobelin félon, et du coup bah, il va pouvoir taper, du coup tu vas te prendre des dégâts. Ce qu'on va faire, c'est que là il y a fait une connerie. Un petit coup, ok, c'est pas grave. On va faire ça comme ça, ok, il a un poison. Il va mettre le dragon direct derrière. Bah là j'ai pas le temps de tornade, j'ai pas le temps de foudre, dommage. Ouais, j'ai quand même des dégâts je pense hein. Ok là j'ai une belle foudre encore, hop on la prend direct, pas de temps. Il y a une snowball en plus. Il joue bien, il joue bien. Mettre un petit prince ici tranquillement. Enfin tranquillement. Enfin se bouger un petit peu mais ouais, t'inquiète. Dans l'idée c'est ça. Bah écoute, on va attendre que le Kama dash et on va devoir mettre un Gyroelectro. Oh, il attend de ralentir, c'est terrible. Ok, on va mettre ça comme ça. Sur là, il sait même, il le sait, hein. Et même si j'arrive à, même s'il n'arrive pas à défendre, il win sur ça parce qu'il m'a mis trop de pression. Il a très bien joué, je suis juste pour un karma, j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû la win cette game, honnêtement. J'ai un peu joué comme un débile, mais tranquille, c'est pas grave. Tranquille, tranquille. No stress, y'a point S. Hop. Hop, ok, parti. Ça c'est chiant. Le DDE, la Kaven va être relou. Hein. La Kaven va être super relou. Sa mère, ok. On va mettre la cage, je pense. Moi j'ai un électro, je vais le mettre au pont. Là, je le fous trop pont. Si, il a 20. Ok, il va tempo mon. Ok, ça tempo. Oh, ça c'est parfait. Oh, alors là, toi, gros. Alors, toi, mon frérot. Surprise. Surprise du chef. Là, j'essaie d'aller rajouter. Le... Oh là là, regardez-moi ça. Du gold elixir. Ah, oula. Alors. Là, si je fais le gold elixir, j'annonce.
Oui, c'est bon. Enfin, j'ai un truc, un gars avec ce pont. Non, non, frère, l'esprit saute pas. Pas de dinguerie. Voilà, nickel, saute pas. Ah, il saute dans le vent, ça me va. Ok, Golden Elixir, c'est pas un match-up simple, encore une fois. Quand vraiment, on a la foot pour les dragons, donc ça peut passer. Mais c'est compliqué quand même. Il y a mal le prince ici. Ok, on est bien fond de map pour pouvoir qu'il ait le temps de dash. Et là, il casse les couilles. Ça sert strictement rien ce qu'il vient de faire. Bon. Tant pis, mon prince, il pourra pas contre-push du coup. Le problème, c'est sa cabane là. Sa cabane va être relou. Ok, on va mettre une petite cage ici. Hop. Ok, on a le bomber ici cette fois, dans en enfer qui nous fait un peu chier parce que ça te permet cette tempo et c'est la sauce, bref. Là, à partir d'un électro fond map. Hop, c'est parti. Et giant fond map. Moi, c'est maintenant ça quadruchot des barbares, c'est super chiant, genre. Ok, on a le D2, là on a la foudre. Alors là, pour le dragon électrique, ça va être incroyable. Et la guérisseuse, c'est vrai. Oh là là. Regardez, t'es mal à foutre que je vais mettre. Aïe aïe aïe, regardez. Hop. 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 Et là, il y a le seul. Et là, ça, là, j'avais trop, il a passé tout seul, là. Il a passé comme dans du beurre, j'avais trop. Bah, il a pas du tout passé, en fait, hein. Vraiment pas, quoi, pour le coup. On va essayer de remettre un giant au pont, peut-être. Avec un peu de chance, ça va passer. Inch'Allah, comme disent les Bretons. Ah frère, sa cabane elle permet tellement de défendre, genre le Jean-Hitro ça compte tellement bien. Ok, essaye de mettre tout ça sur ça pour que le Jean-Hitro peut-être il, le dragon il décède. Là ça va être la sauce si le dragon il meurt pas. Mais gros, mais meurs un peu, putain, je vais devoir foutre là. Attends, ouais, je vais attendre le bébé drag, exactement pour ça. Hop, hop, voilà, nickel. Bon, enfin, le bébé dragon il pourrait mourir un jour ou ça se passe comment? Ok, on va mettre ça en plus parce que je sens que ça va pas mourir sinon. Ok, là il devient un topon. Là, ça part. J'annonce, ça part. T'as pas assez d'Elex, quoi. Si, t'as assez d'Elex. Si, parfait. Oh, le dragon. Le dragon qui va tout faire là, j'annonce. Ok, là on a une belle foot. Je vais essayer de la pêcher au direct autant que je peux. Parfait. On va compliquer les games là. Ok, là c'est de la sauce. J'annonce. Là, si je défends, je suis un god. Je sais pas du tout comment défendre, quoi. Allez, un petit coup de bomber. Ouais, nice. Voilà, bah, on va avoir besoin de la foudre là. Ok, parfait. Je vais de passer ma Selex. Là, il devient un topon, j'annonce. Il devient un topon, j'annonce. J'ai annoncé, il devient un topon. Frère, revenez là, gros. La foudre, la foudre. Hop, hop, hop. Oh oui, oh le forcing. C'est le moment, il faut spam. Ça passe ou ça casse, là. Je vous le dis, ça passe ou ça casse. Si là, ça passe pas, ça passera jamais. Il a plus de cabane, il a plus de cabane, c'est le moment. Il a plus de cabane, il a plus de cabane. Allez, 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 allez. Free shot. Let's go! Wouah, la game de taré qu'on vient de faire là! Waouh! Oh la game taré! Wesh! Allez, c'est parti pour la last game contre. Oh non, c'est un... oh non, c'est un putain de gros joueur, sa mère! C'est un gros gros joueur! Oh putain, oh, je vais me faire des. C'est un joueur pro! J'annonce. Ok, bon, allez, c'est parti contre un joueur pro! Ah, PK Free Fire en plus! Ah yes, les match-up! Les match-up contre des Hardcounter plus joueur pro, les gars, je vais faire enculer, hein. Ça va pas être plus compliqué que ça. Ok, bon bah écoutez, la voleuse qui va se faire gérer par le gobelin. En plus, il a un chevalier d'or. Oh putain, ça va être la merde. Là, du coup, il a pas de reine. Ah, c'est sacrément relou ça. Je vais la foutre direct, je pense. Allez, hop, parfait. Là, il va devoir rajouter, donc c'est ma foot va être value. Là, Frère, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, on va essayer de détruire le prince le plus vite possible. Okay. Bon.
Bon, charrette, c'est du bridge spam classique. Ok, c'est du bridge spam. La charrette qui va être casse-couille. La charrette, je vais devoir la balancer de l'autre côté au bout d'un moment, c'est sûr. Bon, il a plus d'Iwis, donc là, on va l'enfer qui va être solo. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il pourrait juste passer le pont, mais sans toucher. Non, il y a sans toucher la corse, mais du coup, si. Et parfait. Là, on a un petit semblant de push. Ok, ça tue la voleuse, ça me va. Oh le con. Ah, c'est peut-être du forcing ça. Pour moi, ça c'est clairement du forcing. Là, s'il m'apprend, je pense foudre. Ok, il l'a mis assez tôt. Il a bien joué, il l'a mis juste assez tôt pour pas qu'on prenne 6 charges. Si on prend 6 charges, j'allais foudre, j'annonce. Là, je pense qu'on a un gros avantage en Alex. En vrai, j'aimerais qu'il laisse gratter mon boomer, ça serait cool. Il le laisse gratter, tant mieux. Allez, on se rend ça avec une petite cache gobine. Là, je vais avoir que des foudres. Là, je vais avoir que des foudres value. Ouais, bah là, il sait, hein. Il le sait. Moi, j'en ai trop, c'est compliqué à défendre pour lui, en vrai, normalement. Dans la logique des choses. Dans la logique de son deck. Comment j'ai été à tour du roi? Ah, ouais, avec le fantôme, c'est vrai. Reviens là, toi. Reste là. Et des deux qui. Le DD qui fait des va-et-vient, ça c'est parfait. Et là il sait qu'il doit pas laisser m'installer. Si je m'installe, c'est le spawner. Et là ce qu'il va faire, c'est peut-être une connerie, parce que là s'il part charrette je sais pas quoi. Ok, il la met là sa charrette, intéressant. Bah écoutez, je pense qu'on va faire comme ça. Ok, on va tout rassembler là. Donc tant qu'à la tuer, go la tuer comme ça. Ok, là on va mettre le bomber. Ok, là, ça va être la sauce, la vraie. Ok, on a une bonne foudre, là. La foudre qui était juste parfaite, là. Hein. Elle a fait une grosse value. Maintenant, c'est le moment de m'installer. Ça va être très compliqué. Ok, on va essayer de s'installer maintenant, je pense. Ouais. Vous savez qu'il est putain de bien défensivement. Il joue très très bien. Et il le joue très très bien. Hein, parce que c'est un joueur pro, donc dans tous les cas... Ok, hop. Le dragon pour éviter que ça snipe. Parfait. Ok, on va essayer direct de lander là. Voilà, parfait. Et là, ça peut être pas mal. On a double giant. Ok, là, on vient de tuer toutes ces troupes défensives là. Oh là là, oh là là, la foudre là, oh yo yo yo, cette foudre juste incroyable. Et ce qui est bien, c'est qu'il a pas de sort. Ok, on va direct snipe ça, j'ai pas le temps. Là, je peux pas le laisser jouer là, je n'ai pas le droit de le laisser jouer, sinon j'ai lose. Putain, avec une bonne foudre encore une fois. Ouah, il casse les couilles à protéger son archer tout le temps là. Je peux rien faire contre son archer de mort là. Père meurt un peu l'archer un jour, non? Oh, il est juste insupportable. Là, il est en train de mettre une pression constante et je peux pas... Et gros, je peux pas défendre! Là, il a trop trop bien joué. Il a trop trop bien joué. Il a trop trop bien joué, sa mère. Là, il m'a détruit. Il a trop bien joué. Après là, je vous dis, c'est un joueur pro, donc c'est pas n'importe qui. On va regarder son profil. Bon voilà, c'est voilà. Le mec, il a un nom de jeu, il a déjà des badges, il a déjà. Bref, c'est n'importe quoi. Ouais, bah, ça c'est son gros compte. Mais c'est lui son gros compte. Non, je pense pas que c'est lui. Il y a pas qu'un nom de jeu. Je pense que c'est un de ses petits comptes qui joue plus dedans. Bref, je sais pas. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. C'est un fait sans plaisir. C'est vrai, cool. Ciao.